뭐야? 여기 좀 봐. 미끄럽다. 아, 오늘 눈사람 만들까? 오늘 춥다. 와, 눈 많이 Je m'appelle Jung. Je suis né ici, quelque part en Corée. J'ai quitté ce pays lorsque j'avais 5 ans. Aujourd'hui, j'en ai presque 44, et c'est la première fois que je reviens. Alors voilà, ceci est mon histoire. L'histoire d'un enfant qui quitte son pays natal, parce qu'un jour, au bas d'un papier, quelqu'un a écrit « Recommandé pour l'adoption. Couleur de peau, miel. » Depuis la signature du cessez-le-feu en 1953, la frontière séparant le nord et le sud de la Corée s'est stabilisée autour du 38e parallèle. Rappelons que cette guerre fratricide a fait plus de 4 millions de victimes civiles et militaires. Imaginez les familles séparées, le nombre d'enfants orphelins, livrés à eux-mêmes, abandonnés. Cette situation dramatique n'a pas laissé insensible Harry Holt, qui, l'an passé, a adopté avec sa femme Bertha 8 orphelins américano-coréens. Son troisième voyage en Corée porte à 76 le nombre d'enfants métis recueillis par des familles américaines. Ce qui fait d'Harry Holt un parrain pour tous ses adoptés. Bertha et Harry Holt poursuivent aujourd'hui leur engagement bienveillant. Chez les Holt, je ne suis resté que 6 mois. La première famille qui a voulu m'adopter s'est désistée au dernier moment. On leur avait dit que j'avais une cicatrice entre le nez et l'œil. En fait, c'était juste un bleu. J'espère qu'ils ont plutôt adopté un chien. Sans ce bleu, je serais peut-être devenu américain, australien, danois, norvégien. Depuis les années 50, 200 000 enfants coréens ont été adoptés de par le monde. Moi, c'est en Belgique que j'ai atterri. Le 11 mai 1971. Oui. Madame Thibault, voilà votre fils. Voilà, madame. Monsieur Thibault. Vous avez le passeport, la carte sanitaire. Et vous voulez bien appeler le médecin dans les 48 heures. Oui, alors, en général, les enfants ont tous la diarrhée quand ils viennent. Alors, il faut le montrer. Alors, à une autre famille maintenant. Un petit coucou à la caméra. Alors, t'es content? Mon petit coréen est enfin arrivé. Filme aussi les sandales. Attends, bouge pas. C'est marrant, il a un bracelet. Il en a plus besoin maintenant, je vais lui enlever. Bah, si on le perdait dans l'aéroport, on ne pourrait pas croire que c'est toi le père. Hé, hey, Cédric, tiens-toi tranquille. C'est quand qu'on rentre à la maison? Pars devant avec bonne maman. D'accord. Tu filmeras notre arrivée à la maison. Ouais. Alors les enfants, comment vous le trouvez, votre nouveau petit frère? Il a l'air fatigué, mais il est chouette. Il pourra dormir dans la chambre. Non, plutôt dans la mienne. Ouais, bon. Allez, en route, papa, mauvaise troupe. C'est normal qu'il dorme dans ma chambre. Il parle pas beaucoup, hein? Mais c'est normal, il comprend pas le français. Vous inquiétez pas, il va vite apprendre. On peut l'appeler, je dors. Non, il s'appelle Jung, hein, ma chérie? Tu es sûre que ça se prononce Jung? Ce serait pas plutôt Chung ou Jung? Non, t'es pire que les enfants, c'est Jung. Mais je sais, chérie. Tout ce qui compte pour toi, c'est qu'il soit là, hein? De toute façon, il a pas vraiment une tête à s'appeler Igor.